Et je cry, baby who? À Paradise City, et je cry, baby who? À Paradise City, tous les chemins mènent en enfer et rien de rien ne t'appartient que les couleurs du ciel immense. Un jour de mai, tout recommence. Tendre la nuit, les illusions qui marrent, les idées de bonheur, je suis un bonheur. Dans un monde blessé, et je cry, baby who? À Paradise City, à Paradise City, et je cry. I'm not afraid to die.
Pierre Jalle. Veuillez localiser les sorties de secours à l'arrière et à l'avant de chaque côté de la salle. Prenez note que l'enregistrement, la captation vidéo, la prise de photo et l'usage de flash sont strictement interdits durant le spectacle. De plus, pour favoriser l'écoute, il est formellement interdit d'utiliser tout appareil électronique. Merci et bon spectacle. Bonjour tout le monde, ça va bien? Oui. Et là là, ça va bien? Bienvenue à cette finale locale de Cégep en spectacle, 40e édition de Cégep en spectacle cette année. Concours qui aura vu naître, entre autres, des talents comme Émile Bilodeau, Philippe Braque, qui est des jeunes talents qu'on entend beaucoup ces temps-ci à la radio et qu'on voit dans nos télévisions. Donc, concours qui met de l'avant vraiment la relève québécoise. Je me présente, Tommy Brûlé, je suis le metteur en scène du spectacle de ce soir, mais donnez-moi pas trop de crédit. Tous les, les jeunes ont travaillé extrêmement fort, vous allez voir. Okay? En fait, pour l'instant, pour moi, je n'irai pas plus loin que ça. Ce que je vais faire maintenant, je vais présenter le directeur adjoint des études, M. Roland Morin. Bonsoir tout le monde, chers parents, amis, étudiants, étudiantes, M. Montigny. Bonsoir, le directeur général qui assiste à une activité de la vie étudiante, c'est toujours très, très, très apprécié. Pour moi, c'est un réel plaisir de vous souhaiter la bienvenue pour cette soirée qui met en l'honneur le talent, la créativité de nos étudiants, nos étudiantes. Cégep en spectacle est le plus important concours des arts de la scène du réseau collégial. Comme le disait Tommy, ça fait maintenant 40 ans que ce concours-là existe. C'est une fierté pour notre cégep de diriger les projecteurs vers 14 étudiants et étudiantes qui ont choisi l'audace de venir nous présenter leur talent, leur numéro. Nous sommes très fiers de pouvoir accueillir ce soir 14 étudiants, 6 numéros au grand total. En plus, c'est un soir de première qui est cher à mon cœur. Première, parce que ça concerne la diffusion. Vous voyez, on a des caméramans étudiants qui vont faire la captation du spectacle. Ça permet aux personnes qui ne peuvent pas être présentes ici ce soir de pouvoir visionner, de pouvoir voir en direct le grand talent qu'il va avoir sur la scène ici. C'est aussi un soir de première parce que je suis particulièrement fier. C'est un show qu'on pourrait appeler 100% étudiant. Les textes ont été écrits par des étudiants, des étudiantes. C'est eux qui ont décidé de l'animation, tout ça orchestré par Tommy Boulay, le metteur en scène. J'ai pris quelques notes, mais je vais être rapide quand même. Donc, ce concours-là, c'est une belle façon de mettre en lumière le talent de nos jeunes. À l'issue de cette soirée-là, il ne faut pas oublier qu'un seul des numéros sortira grand gagnant. Il va nous représenter, le ou la gagnante va nous présenter au groupe même, je dirais, à la finale régionale qui aura lieu cette année, le 30 mars prochain, à Rimouski. C'est l'étape ultime avant de se rendre au provincial ou au national. En terminant, j'aimerais dire aux étudiants qui vont monter sur les planches ce soir d'oublier l'aspect concours de ce spectacle, mais surtout profiter du moment pleinement de façon à ce que ça reste incrusté dans vos mémoires le plus longtemps possible. Sur ce, que le spectacle commence. Bonsoir.
Les objectifs de Cégep en spectacle sont de promouvoir les arts de la scène et l'usage de la langue française. Cet événement multidisciplinaire regroupe le chant, la danse, l'humour, la musique, le théâtre, l'art oratoire et les arts du cirque. Cégep en spectacle, c'est aussi la possibilité aux étudiantes et aux étudiants du collégial de prendre contact avec les différents métiers reliés au monde du spectacle. Les critères, l'originalité, la présence sur scène et le talent. Le tout dans un processus en étapes, finale locale, régionale et nationale. Bon cégep en spectacle. C'est un spectacle qui va se passer en deux temps. Donc, on va voir la première partie du spectacle qui va être constituée des 6 numéros en compétition ce soir. Il y aura une entracte de 15 minutes et par la suite, on a deux humoristes fraîchement diplômés, en fait, bien, ça fait 2 ans, mais fraîchement diplômés de l'École nationale de l'humour là, qui vont être ici ce soir pour compléter la soirée. Ensuite, bien, on a parlé évidemment du grand gagnant du spectacle de ce soir là, qui ira à la finale régionale. Ceci étant dit, il y a deux autres prix ce soir. Il y aura premièrement le prix du public, donc le prix que vous allez décider de décerner à l'heure des numéros ce soir. Au niveau du vote, ça se fera durant l'entracte, donc il y a une boîte de vote aménagée dans le centre de vie étudiant. Donc je vous invite évidemment à poser votre vote. Et il y a également en fait le prix coup de cœur de l'ouvre-boîte culturelle, diffuseur sur Place La Salle. Donc un des numéros gagnants ce soir dans le fond, aura la chance de présenter son numéro à l'ouvre-boîte culturelle, probablement en première partie d'un autre artiste. Donc, ce sont les différents prix en concours ce soir. Finalement, je vais terminer avec la présentation des juges de ce soir. Assis dans la petite lumière, là. Donc, dans un premier temps, mélomane de nature, passionné et amateur de jazz, enseignant en philosophie ici au Cégep de Baie-Comeau, M. Dave Savard est là. Elle a fait de la danse pendant près de 20 ans. Elle a enseigné le ballet classique pendant 8 ans et le contemporain en danse-études à Lévis. Elle adore tout ce qui touche les arts de la scène. Isabelle Forêt-Couture. Elle est enseignante de musique à la commission scolaire de l'Estuaire depuis 7 ans. Elle est en charge de l'option musique, Le Ventoux Musique, en musique, excusez-moi, depuis maintenant 2 ans. Elle a donné également des cours de Zumba pendant plus de 5 ans et elle a fait partie d'une troupe de théâtre. Véronique Landry. Il a été finaliste à 2 reprises à secondaire en spectacle, de même qu'à Cégep en spectacle. Il a aussi été finaliste à Conga à l'Université Laval. Et il a collaboré au Festival des Juges 2016, M. Danny Desjardins. Finalement, il travaille dans le domaine artistique depuis plusieurs années. Il a été sonorisateur, éclairagiste, assistant ingénieur. Il a été professeur à l'Institut d'enregistrement du Canada, administrateur des technologies multimédia au Centre des sciences de Montréal et du Vieux-Port de Montréal. Et il a été directeur technique sur plusieurs événements, dont le Festival Rendez-vous cinéma québécois et le Festival du Nouveau cinéma de Montréal. Herman Carl Gravel est juste ici. Finalement, je termine avec ça. J'aimerais simplement remercier en fait l'Oscar Bistrot qui a offert le repas à nos deux humoristes qui seront en deuxième partie. Donc un grand merci à l'Oscar Bistrot. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Ouais. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Mesdames et messieurs, bon spectacle.
Re-bienvenue à Tout le monde en jase. Avant la pause, on a parlé de toi, Hubert Lenoir, et de tes victoires musicales. Maintenant, on reçoit la visite d'une personne qui, envers et contre tous, a réussi à se faire élire 3 mandats de suite. Il s'agit du 29e Premier ministre du Québec, Jean Charest. Bonsoir, M. Charest. Bonsoir, Guy. Bonsoir, Hubert. Je m'en sac. Bref, M. Charest, d'après certaines de nos informations, votre fille, Alexandra, et vous-même seriez lobbyistes pour du cannabis. Est-ce vrai? Qu'en dites-vous? Oui, bien sûr que c'est vrai. Ma fille a pris cette initiative et j'ai décidé de l'aider dans ses démarches. Il faut dire que la légalisation a été une très bonne chose pour nous. Il y aurait dû faire ça en 2012 à la place. Les jeunes, là, les carrés rouges, t'sais. Il y aurait peut-être eu d'autres préoccupations que de manifester. J'aurais peut-être été réélu. Cher M. Charest, voulez-vous qu'on parle du plan Nord? Bref, maintenant, on reçoit une visite spéciale. Les animateurs de Cégep en spectacle Abbé Como nous ont fait l'honneur de venir sur notre plateau ce soir. On peut les applaudir! Bonsoir Sarah, bonsoir Catherine. Vous êtes ici pour nous parler de votre travail. On vous écoute. Bon, ben dans le fond, nous, au début, on s'est cherché des idées, puis on a écrit des sketchs. Ensuite, on a cherché, genre, lequel on préférait pour les pratiquer, puis c'était un peu compliqué. Un peu, ouais. Mm-hmm. Fait que là, ben, on est fiers de vous les présenter ce soir. Puis les autres animateurs sont où? Roxane, Alexis, puis Caroline? Je ne dois pas être bien loin, là. Bon, eh bien, c'était ici que se termine notre émission. Revenez-nous à la même heure, la semaine prochaine. Car nos invités sont nul autre que Mike Ward et le petit Jérémy. Bref, bienvenue à Cégep en spectacle, édition 2019-2019. Dans un numéro de création musicale, Nicolas et Olivier Caron.
On s'en va cambrioler une maison. Vous voulez qu'on fasse quoi avec ça? C'est de ma faute. Je voulais pas m'habiller comme tout le monde. Fait que j'ai décidé de m'habiller de même. Puis j'ai peut-être dit mon état à Georgette. Qui l'a dit à René? Qui l'a dit à Clémentine? Ah ouais? Oh, moi je me suis habillée comme ça parce que j'avais tout mon ordre au lavage. Ah, oh, moi je pensais qu'on allait à une fête. Oh, je vous avoue, je suis un peu déçue. Pour vrai, qui m'a écouté au meeting? Moi! J'ai pensé avec des souliers noirs. Ah! Oh! Bravo! C'est pas ma question. Ah. On s'en va cambrioler une maison. Les voisins vont nous voir. Ah, c'est pas grave, ça. Moi pis les filles, on avait décidé de laisser une petite soirée de filles. Ah ouais? Ah, c'est marrant les coïncidences, je savais pas. Ah, c'est pour ça que j'ai pensé à ma vie en fluo. Ah! Content que t'aies pensé à quoi? Yeah, merci! Bon, venez vous en les filles, on va aller dire là. Bye! Mais pas Georgette, là, on y va. On n'allait pas cambrioler une maison? Non, Georgette, non. Oh.
dans un numéro de composition musicale, Gabriel Mazerolle. Merci, merci. Très content d'être ici ce soir et très chanceux aussi d'être ici. Chanceux parce que la santé me le permet, autant physique que mentale. Malheureusement, ce n'est pas le cas pour tout le monde. Je pense entre autres à mon frère Daniel qui est atteint d'un cancer. J'aimerais ça faire ce numéro-là pour lui, faire un hommage pour lui avec ce numéro-là. Donc, ma chanson, elle s'appelle « Le dernier des combats ». Rassure-moi jusqu'au moins la pure intérieure, toi.
Un matin, mon frère, il s'est réveillé avec un mal de ventre. Il est allé à l'hôpital. Le médecin lui a dit... En fait, le médecin lui a simplement prescrit des antibiotiques. Sauf que mon frère, tu sais, c'est un tough. Pour aller à l'hôpital pour un mal de ventre, ça devait être un sacré gros mal de ventre. Donc, il a pas lâché, il a insisté pour demander au médecin de passer un scan. Puis son scan a révélé un cancer des ganglions. Le médecin s'est voulu rassurant, lui a dit, tu vas voir... Un simple traitement de chimio facile, là, puis ça va fondre comme neige au soleil. Ben, deux traitements de chimio plus tard, ça n'avait pas fondu du tout au soleil. En fait, le cancer avait empiré. Donc, son oncologue l'a rencontré puis lui a dit, « Dan, la seule chance qui te reste, c'est de faire un traitement choc. On va te mettre en isolement pour une couple de semaines, puis après ça, on va faire un traitement de deux cycles. Puis le cancer, ben, va disparaître à la fin du deuxième cycle. » Mon frère a accepté, pas trop le choix. Ça a été rough pour nous autres de le voir comme ça, le voir pour la dernière fois avant qu'il commence son isolement. Puis, après son premier cycle qui a terminé, son corps l'a tellement trouvé rough qu'il a presque pas survécu. En fait, son oncologue lui a dit « Tu pourras pas avoir le deuxième cycle, c'est fini. Ton corps, il supportera plus la chimio, ça a été trop rough pour lui. » Ça a été dur à accepter, mais après ça, il a subi un dernier scan, puis le dernier scan lui a montré qu'il n'y avait plus de cancer du tout dans son corps. Appelez ça un miracle, si vous voulez, ben, c'est une bonne nouvelle quand même. Puis pendant un an, ben, il était arrêté au travail, évidemment, pour se remettre de ces traitements-là. Ça a été rough pour lui. Puis un an plus tard, il commence le travail. Il continue d'être suivi encore. Puis là, un scan qui a eu quelques mois passés a révélé deux nouvelles masses qui sont apparues, qui seraient probablement des métastases. Il est suivi aux trois mois, puis ben, on espère le mieux, évidemment. Fait que, j'aimerais ça qu'on prenne un petit moment de silence pour tous ceux qui ont à combattre le cancer ou qui ont combattu le cancer. Troisième présentation à Cégep en spectacle, ma troisième année, donc vous avez compris, c'était la dernière fois. Pendant que j'ai le temps pour le faire durant mon numéro, j'aimerais ça remercier sincèrement Tommy Lavoie, qui est responsable loisirs au Cégep ici. Remercier également Serge Roussel pour l'audiovisuel, qui est le maître d'orchestre de tout ça, si on veut. J'aimerais aussi remercier les gars à la régie, Steve et Marc-Antoine, qui ont fait une job excellente. C'était la première fois que je voyais un travail aussi bien fait pour les gars de la régie. Il reste encore un dernier numéro à vous présenter qui va être à la fin de la soirée. Mais d'ici là, je vous souhaite une excellente soirée à tout le monde. Petite madame, vous êtes perdue. Bonjour. Hey, je vous avertis tout de suite, hein. On n'a pas ça ici du maquillage, du rimel, du fond à joues. Ici, là, c'est de la pâtée du primaire.
petite joke de cacaillé. C'était bon, votre joke. Mais non, en fait, on est ici parce qu'on se construit un chalet. Puis. Ah oui, un chalet. Vous deux, là. Moi, je suis bien mal 2018, hein. Les gars le disent tout le temps. Marcel, c'est le gars qui met tout le monde sur le même niveau. Niveau. Nos petites jokes de cacaillé. C'était bon votre joke, mais ouais, je disais, on est ici parce qu'on se construit un chalet, puis. J'ai rendu la peinture. On cherche un petit rose pour aller avec la tapisserie de chat. Non, on est rendu à l'électricité, puis on se demandait. Quelle lampe mettons au-dessus de la table? Facile, ça. Faut pas être une lumière. Petite joke. De quincaillé? Non, non, de l'électricien. Hey, je vous ai eu, moi, là. Ouais. On peut tirer une petite seconde? On a une vraie question à vous poser. Madame, une vraie question. Ça donne bien. J'ai une vraie réponse. OK. L'alternateur de notre appareillage a fait une surcharge empiriquement supérieure à la capacité de notre accumulateur électrique. Les circuits en parallèle, ils ont fait une surchauffe, puis ça détruit totalement notre boîtier. Le courant de notre chalet étant tellurique ou triphasé, on n'est pas certaine, rend la réparation beaucoup plus difficile. Pouvez-vous nous aider? Je peux vous montrer les ampoules. Bonne idée! Parce que c'est pas ici qu'il y a un 100 watts. Petite joke de quincaillier? Non, d'électricienne. Position de rap, Arthur Zanini, Benjamin Ménard et Mathias Borel. Yo les gars, avez-vous vu ça? Je pense qu'on s'est trompé de salle. Ah ouais, vu les têtes. Wow, la salle de réa de l'hosto d'à côté. Hein. Ah ouais, moyenne d'âge 50 ans, on n'est pas au bon endroit les gars, c'est sûr. Hein. Non. On va préparer un gros coup. OK. C'est l'histoire d'un gars souvent muet dans son trou, occupé à s'emmurer. Aujourd'hui, il s'adresse à vous et ce nom censuré. Dans une histoire plutôt commune dans laquelle il a grandi en campagne. Pas du genre à abuser du champagne, assez malin pour fabuler. Et doué au chantage décrit par les parents. Comme un petit gars de la montagne, il a un comportement plutôt lamentable. Et invité de partout, c'est à son avantage. Il débute de consommer, cela bien avant l'âge. Une pression forte remonte par l'œsophage. Il se croit fort et grand, mais n'a pas l'âge. Mais bon, là, je me perds, je m'égare, je le rate trop tard, il met les gaz. Le bruit fort du moteur de passage cache la dernière phase. Et je regarde s'éloigner les phares. Et je regarde s'éloigner les phares. C'est l'histoire de celui qui ne peut résister au fils de la vie dont il est maintenant hérité. Entre bien et mal, c'est vraiment l'ambiguïté. Face à face avec l'obscurité, quoi qu'il fasse, ça ne fait vraiment pas l'unanimité. Dans son comté, il efface la trace de ceux qui agacent la continuité. Laisse-moi continuer, va-t-il s'écrier. Puis s'effriter dans l'ombre pour amputer son nom. C'est BMG, commencer l'énoncé. L'histoire ne fait que débuter, ouais. L'histoire ne fait que débuter. C'est l'histoire d'un gars silencieux, un peu malin, un peu vicieux, toujours studieux, toujours dans les plans scred, un peu esselé selon ceux qui le regardent aller et venir dans sa routine, qui se dégrade par le déni d'une vie libre. Ce type un peu en marge et torturé par le prix de la vie, qui le rend barge et clôturé dans l'intangible. Le fortuné, c'est la monnaie qui le rend ivre de son idée que la vie, elle, n'a pas de prix. Mais ce soir, le thème n'est pas là. En route pour le Népal, toute vitesse, je vais rejoindre mes gars là-bas. Dans le paysage, trop de palabres, je vais vers une autre galaxie. C'est pas la peine de m'appeler, je serai pas là. Cherchez pas, il sera pas là.
Faudrait qu'on leur dise. Ça serait temps, je crois. Hein. On va vous raconter une petite histoire, celle de notre art. Le rap, de base, c'est né dans la rue, c'est né pour revendiquer, c'est né pour porter des principes. Aujourd'hui, le rap, il est associé à des préjugés. Gangsters, petits mafieux, voyous. Mais on est venu vous montrer que non. Et nous voilà. Le rap, c'est pas juste des gangsters, des armes à feu, des chaînes en or, tout ça. Il faut savoir que rap, c'est un acronyme de rythme and poésie. C'est vraiment de l'art, de la musique avec des paroles. Et c'est ça qu'on est venu vous montrer ce soir. Ouais. On est là, on est là, on est là. Mais comment on fait du bruit? Ouais. Ok, ça fait. Mais c'est que le début, cette histoire continue. À son âge, il ne se souvient plus de ce qu'il a bu. Et la seule envie qu'il a en tête est d'atteindre son but. Et les chances qu'il en dévie sont nulles. Le coup qu'il prépare n'apportera pas le salut. Et ce soir, sur cette planche, il a bossé dur. Il va compter sur ses bros, c'est sûr. Et non pas sur les procédures. S'il rate, ça sera l'envol entre quatre murs qui suivit de clôture. Faut que ses rêves s'effacent au fur et à mesure. Je vous demande donc de méditer sur ces quatre mesures. Ouais. Ok, mais comment vous allez me suivre quand je dis hip, dites hop, hip, hop, hip, hop, hip, hop. Parfait, vous avez été bon. C'est comme si je marchais sur un grand chemin, enchaîné de la tête aux pieds. Je me sens gêné par ces chaînons qui me font chuter sur un sol gelé. Je peux pas gérer l'attraction qui me suit vers le sanctuaire. Dans le sueur, celui qui ne peut remonter le long de son lit, qui doit faire face au sel et à l'amertume de ses rivages sans nom, de ses mirages sans fond. Et j'écris du fond de mon lit comme un rêveur meurtri qui, dans les bras de Morphée, s'enfonce sous mes paupières clairvoyants et translucides. Le monastère du non-croyant, c'est là où mon esprit réside. Je ne cherche pas à me définir entre texte conscient et inconscience du risque. C'est là où mon rap se dessine. Il voit le jour en pleine nuit en attendant que le ciel se décide. Sous la grande lumière étoilée des constellations, la lune donne son approbation au simple être humain que je suis. Ok, on va refaire ce mais plus fort. Réagis, hip, dis hop, hip, hop, hip, hop, hip, hop. Vous êtes beau, vous êtes beau. On est là, on est là, on est là. On débarque comme ça. Prête à tout éclater, protéger vos yeux des éclats. Avez-vous vu de nos yeux les éclairs? Sans colère, j'avance en scène dans sens contraire. J'arrive à me connaître dans ce monde totalement tout à l'envers. Le monde n'est pas honnête. Pour forger son chemin, faut avoir du savoir-faire. Faire savoir ce qu'on peut en faire. Sans être vulgaire, on est ici à soi. Pour ceux qui sont comme nous connus pour le commun commun. Qui ne se dissocie pas des soucis de la société. C'est avec modestie que j'abreuve ma sobriété. Ma priorité, l'honnêteté, la propreté contre la bestialité. Comment qualifier la réalité de l'humanité? Sur ce, je vous laisse méditer. Sur ce, je vous laisse méditer. Ouais. Yeah, je vous laisse méditer. Je vous laisse méditer. Oh, attendez. Ce n'est pas fini. On a un petit truc pour vous pour finir. Non, c'est pas celui-là. C'est pas celui-là cette fois. Non. Bel essai. Ok, on va faire un petit truc a cappella. Ça fait. Introspectif sera ce texte. Et reste piste, pas de prétexte. On garde tous nos fardeaux respectifs. Aussi destructeurs que soient nos fardeaux, chacun le sien sans pour autant devoir fixer celui de l'autre. Et puis je te le donne, prends donc le mien. Il te va bien comme nénuphars dans l'eau. Je n'y vois rien, j'ai besoin d'un phare qui m'éclaire avant l'aube. Et je me souviens du temps où je m'éclatais avec mes potes. Ça c'était bien sans se soucier de votre état ni de vos apôtres. Ambidextre de l'esprit et non pas des mains. Parce que les masques tombent seulement quand tu les enlèves de tes propres mains. Approximatif quand je parle de mes sentiments. Dans une autre vie, je devais être une pierre qu'on faisait rouler bien gentiment. Anxieux dès que le soleil se lève, je boudais le réveil. Désolé, Oxmo, c'est la lave et pas du son qui coule dans mes veines. Asphyxié par les émotions, faut que je voie du monde. Malgré le fait qu'ils se cachent tous, ils sont immondes. Ils sont immondes. La question que vous pouvez vous poser est qui suis-je pour moraliser? Mais la vraie question est pourquoi ne suis-je pas scandalisé? Je donne de la force à tous ceux qui iront scander à l'Élysée. Des slogans qui feront retomber ces hommes et ces femmes au perché, qui selon moi devraient aller direct au perchoir, accompagnés de ceux qui s'écrieront au péché. Je continuerai donc de tirer des lignes comme un pêcheur, toujours alerte et personne ne pourra m'en empêcher. Je vous demande donc de réfléchir à deux fois avant de faire de l'argent sale. Je vous demande de m'attendre sagement là, je m'en reviens avec le Graal.
Et là, je mens pas. Ça s'est pas passé de même, là, je vais vous expliquer. Je suis arrivé chez eux, elle était là. J'ai cogné et elle a répondu. Fait que j'ai dit, c'est-tu bien ici qu'habite la veuve de Steve? Elle a répondu. Ben non, vous devez faire erreur, je suis pas veuve. Profitant de son naïveté, j'ai répondu. Veux-tu parier si bien que oui? Maintenant, dans un numéro de danse, accueillez Émilie Bélan.
madame, nous sommes les scouts de la 31e troupe Tremblay. Afin de financer notre caporé d'hiver sur le thème survivre 15 minutes sans Wi-Fi dans le bois! Verito! Verito! Ah oui, Verito! On veut acheter des nouveaux rideaux pour notre local aussi. Tout de suite! Et de la corde pour pratiquer nos nœuds. Nous avons fait une campagne de financement qui pourrait grandement vous intéresser. On a oublié de lui dire pour Baden! Ah oui! Ça sert aussi à financer notre grande célébration annuelle de... Baden Power! Cette année, moi, Belette TDH... Moi, Castandi Clickick... Dysmixique... Dyslexique? Moi, Fourmi Végétalienne... Nous avons fabriqué ce merveilleux calendrier! Tout, n'ayant pas la branche de la parole, nous vous demandons de nous écouter. Comme on disait, cette année, moi, Belette TDH... Moi, Castor Plixiki. Dyslexique. Oh! Moi, Fourmi Végétalienne. Nous avons fabriqué ce merveilleux calendrier. Comme vous êtes vieille, vous serez intéressée par nos produits. Nous avons même laissé quelques cases vides pour que vous inscriviez la visite de vos petits-enfants. Quelques lignes pour la liste de vos pilules. Et vos appointements chez la coiffeuse. Et le docteur. Parce que quand on est vieille, c'est dur de se souvenir de quel jour on est. Il nous fera même plaisir d'inscrire votre nom afin que vous ne l'oubliez pas. Et la date d'achat de vos couches afin que vous ne fassiez pas pipi dans vos culottes. Je vous arrête tout de suite, vous êtes passé 15 minutes trop tard. Oh. Vous avez plus d'argent à cause de vos médicaments? Non, j'ai acheté celui des pompiers. Le prochain numéro est un numéro d'interprétation musicale. Veuillez accueillir chaleureusement Quentin Caffier. Faudrait rentrer, tu vois. Je suis en mal d'être avec toi. La machine à café détraquée, les cendriers tous renversés. Des heures passées devant la mire de ma télé. Des nuits sans dormir à me demander où tu peux bien aller. Faut pas me laisser traîner là, seul avec ces idées-là. Je suis pas si fort que tu crois, pas si fort que ça. Plus rentrer, je peux faire une croix sur toi. Et comment ne pas m'imaginer ta petite gueule entre ses bras? Comment ne pas crier? Comment ne pas pleurer? Oh, je suis si fatigué. Faut pas me laisser traîner là, seul avec ces idées-là. Je suis pas si fort que tu crois, pas si fort que ça.
tu sais bébé, je sais que ce soir tu me regardes derrière ton petit écran sur YouTube. Alors j'espère que mes notes vont traverser l'océan et que tu me reviendras. Parce que tu sais que je peux pas vivre sans toi. Si fort que ça. Mais si tu reviens pas, alors voilà, c'est fini. On attend ressasser les mêmes théories. On a tellement tiré chacun de notre côté que voilà, c'est fini. Trouve un autre rocher, petite huître perlée. Ne laisse pas trop couler de temps sous ton petit nez, car c'est fini. C'est fini. Demain je te retrouverai, car c'est fini. J'ai fini par me dire qu'on éviterait le pire, qu'il fallait mieux couper plutôt que déchirer. Dire que peut-être on va guérir, et que même si c'est non, et que même si c'est con, tous les deux nous savons que de toute façon, voilà, c'est fini. Ne sois jamais amer, reste toujours sincère. T'as eu ce que t'as voulu, même si t'as pas voulu ce que t'as eu. Voilà, c'est fini, nos deux mains se desserrent de s'être trop serrées. La foule nous emporte chacun de notre côté. Mais c'est fini. Merci. Le chat est dans le bain.
avec un canard doré. Doré or. Il est 5 heures. Le train passe à 3h33. La fatalité triomphe. Dès que l'on croit en elle. Aile de pigeon pigeonnant dans le crépuscule. Abre la vuelta. No habla espagnol. Capiace. No habla turco. Offne daito. No habla allemand. Caca, caca! Caca, caca! Mickey. Mouse. Albert. Einstein. Tourtière. Copeau de pomme. Sorte pas de gritouille, touille. Sorte pas de gritouille, gaiement. Aslan. Narnia. Whitney. Houston. Des pommes, des poires, des ananas, des biscuits, des biscuits, des biscuits soda. Des pommes, des poires, des ananas, des biscuits, des biscuits, des biscuits soda. Ouais. Je peux rentrer? Ouais, oh ouais, pas de trouble. Notre dernier numéro est un numéro d'interprétation musicale présenté par Gabriel Mazerolle et Caroline Beaupré. Merci, merci. D'être seul sur une scène, ça n'a aucun intérêt qu'on peut la partager avec sa douce moitié. Donc, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, une bonne main d'applaudissements pour la ravissante, ravisseuse de mon cœur, Caroline Beaupré! Bonsoir tout le monde. Avec certaines personnes, la complicité vient plus facilement. Des regards qui parlent, des sourires sincères, et puis on s'attache. Il y a les premières pensées du matin qui deviennent les siennes. Puis avec, comme dans toute bonne histoire, il y a quelque chose qui nous rattache. Puis pour nous, c'est la musique. Ouais, la musique, une base sur laquelle tellement de beaux projets ont été construits depuis qu'on s'est rencontrés il y a un an. Un an qui a passé tellement vite. Ah, vite, oui, mais on a su en profiter à chaque instant. Un instant dans lequel on s'est épanoui en tant que couple, mais on pourrait en parler encore bien, bien longtemps. Mais on va laisser nos instruments le faire pour nous. Ça t'étourdit.
toi seul peux faire exploser mon amour. Pour le feu qui déjà nous effleure. J'ai plus peur, j'ai trop peur, je le sais plus, tu le sais trop. Le vertige est tellement grand que je peux pas mettre des mots. Tu me veux où? Tu me veux pas? Je le sais pas, tu le sais trop. Vois comme je me meurs de joie quand je t'avais. Vous savez, quand on pense à la richesse de la Côte-Nord, on pense souvent aux aurores et puis aux beaux paysages. Mais il y a aussi ces artistes. La chanson que vous venez d'entendre, ça s'appelle « Les aurores ». Ça a été écrit par Marat Tremblay, qui est née ici, à Haute-Rive. Et puis, quand on pense aux artistes de la Côte-Nord, on pense entre autres à Sylvie Drapeau, comédienne et écrivaine, qui a grandi dans le quartier Saint-Georges. À Joséphine Bacon, poète et réalisatrice, auteure de 4 ouvrages et collaboratrice de 4 autres. Et à Natacha Canapé-Fontaine, qui est comédienne et poète et qui a étudié ici même au cégep de Baie-Comeau. Pour tous ces artistes, il y a quelque chose qui les rassemble. Les grandes lignes hydroélectriques qui traversent nos forêts. Visibles d'un bout à l'autre du pays pour se rappeler toujours d'où on vient. Notre prochaine chanson a été écrite par Lisa Leblanc et elle s'appelle « Lignes d'hydro ». Mes vieilles valises, sortirais ce que j'ai vécu pour les exposer sur des murs que je pourrais appeler les miens. Un moment donné, je pourrais arrêter d'angoisser. Voir si c'est moi ou le char qui laissera aller en premier. Un moment donné, je boycotterai le vieux café dépanneur, puis jugerai à mon tour ceux qui s'achètent du vin d'épicerie. Un moment donné, je pourrais marcher sur les chemins que j'aurais battus.
puis je prendrai enfin le temps de les admirer. Je pourrais me dire que je suis choyé, que mes rêves aient autant à compter en me couchant dans des draps, que je pourrais appeler. J'aurais d'autres fils avec la réalité que les grandes lignes d'hydro qui me suivent partout. J'en marquerai plus les cabines de téléphone sur le bord de la rue. Non, j'aurais d'autres fils avec la réalité que les grandes lignes d'hydro qui me suivent partout. Décide d'enfouir mes robes de gypsy au fond de mon garde-robe. Merci beaucoup tout le monde. Donc on se revoit à l'entracte. Avez-vous eu du fun? Oui. Good. Ben, simplement pour vous dire qu'après l'entracte, il y a deux humoristes qui viennent juste pour vous autres, gang de chanceux. Puis aussi, de simplement vous dire de ne pas oublier d'aller voter pour le prix du public. C'est important. Puis si ça peut vous convaincre, ben, il va y avoir un mousseux qui vous sera offert. Fait que, ben, on se revoit dans 10 minutes. Pour annoncer les gagnants, j'aimerais ça inviter le représentant du jury, Herman Karl Gravel. Bon, alors, bonsoir, bonsoir tout le monde. Alors, j'aimerais inviter tous les participants qui ont participé ici ce soir à Cégep en spectacle de venir me rejoindre sur la scène. S'il vous plaît. J'aimerais aussi en profiter pour saluer et remercier les animateurs qui ont fait un merveilleux travail ce soir. Je vais les nommer. L'équipe d'animation, c'est Catherine, Alexis, Sarah, Roxane et Caroline. C'est bien ça? Super. Bravo. Bravo, c'est vraiment cool. Bon, et comme toujours, la délibération, ça a été dur, il y a eu des morts. Comme vous pouvez voir, Dave n'est pas ici parmi nous. Alors, il y a eu un mort, mais tout le reste s'est bien passé.
Alors, je vais ensuite... oui, le gagnant du public. Oui, alors, le gagnant du public, il s'agit de Arthur Zanini, Benjamin Ménard-Goyette et Mathias Borel. Excellent, 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 excellent. Ensuite, je l'avais oui, le prix du public, j'avais dit que c'était un prix de 150 $. Non, alors c'est un prix de 150 $. Maintenant, le ou les gagnants du prix coup de cœur OBC avec une possibilité de faire une première partie d'un spectacle à Louvois Boîte culturelle. Il s'agit de M. Gabriel Mazerolle et Caroline Beaupré. Où sont-ils? Yeah. Oh. Que moi. Et maintenant, le grand gagnant du prix du jury, qui est de 250 $ plus la participation à la finale régionale de Cégep en spectacle qui aura lieu à Rimouski le 30 mars 2019, avec M. Tommy. Oui, hein? Son chanceux, ils ont tout pour eux autres. Alors, les grands gagnants ou le la les, il s'agit de M. Arthur Zanini, M. Benjamin Ménard-Goyette. Et Monsieur Mathias Borel, bravo! Excellent, alors merci beaucoup. Merci à tous les participants, tous ceux et celles qui ont été de près ou de loin à cette merveilleuse soirée. Merci Tommy, ainsi qu'à l'autre Tommy et les techniciens et tout le monde qu'on voit dans l'ombre et qu'on ne salue jamais assez. Et sur ce, bonne soirée. Bye bye. La coop, le casse-mort, la casse-pop, le croque-mort. Et dans ma case,
l'hôpital est devenu bien tranquille. L'épicerie est partie, le cinéma aussi. Et le motel est